Pour la petite histoire, moi j'ai commencé la musique très petit. Je suis orphelin à l'âge de 7 ans. Et ma mère m'a mis chez Monseigneur Jérôme Adam, qui m'a remis à Jean-Baptiste Adiwa. Ce dernier m'a remis à l'abbé Jean-Marie Fréné. Il y avait à cette époque une chorale qu'on montait à Sainte-Marie, qui chantait aussi à Saint-Pierre. Ils ont trouvé que j'avais une petite voix qui était bien. Et pour devenir musicien, c'est le révérend Père Peters, fondateur de l'église Saint-André aux trois quartiers. Qui ouvre une école de musique au centre culturel. C'est des années 60-61 maintenant. Je rentre là-bas, à cette époque, je choisis la guitare. Il me dit, chacun n'a qu'à choisir son instrument. Moi, j'ai choisi la guitare. La compagne, j'ai dit, non, je voudrais faire le solo. Il dit, donc, tu vas chanter. Ce que tu vas chanter ça avec la guitare. Et on a commencé comme ça au cercle culturel, là où est l'immeuble de 9 étages. Là. Mais la maison existe encore. C'est-à-dire que j'ai grandi dedans, dans le son, dans la musique. Je suis toujours dedans. Comme on est là, je suis content de me retrouver avec toi. Oh,